Bonjour et bienvenue sur Recette Pas Bête. Aujourd'hui, la recette du cake au citron. Pour ceci, nous avons besoin d'une raclette en silicone, appelée aussi Maryse, d'un couteau pour vérifier la cuisson, d'un moule à cake, un grand bol, un bol moyen allant au micro-ondes, un presse-agrumes, un batteur électrique, une râpe, un plat de service. Comme ingrédients, nous avons besoin d'un sachet de levure chimique, 200 g de farine, 200 g de sucre en poudre, 100 g de beurre doux, un citron non traité, coupé en deux comme ceci et préalablement lavé, 3 œufs, une noisette de beurre pour beurrer le moule. Passons maintenant à la réalisation de la recette. Pour commencer, on va prendre notre grand bol, le sucre, la farine et les œufs, et on va tout mettre dans notre grand bol. Ensuite, on va mettre notre grand bol avec nos préparations de côté. On va prendre notre bol moyen et le beurre. On va mettre le beurre dans notre bol moyen et passer notre bol au micro-ondes pendant une minute environ. Après une minute, on sort notre beurre fondu du micro-ondes. On prend notre râpe et la moitié d'un citron et on râpe la peau de notre citron comme ceci par-dessus le bol avec le beurre. Ensuite, on va mettre notre bol de côté, on va prendre notre presse agrumes et on va presser notre citron. Ensuite, on va déverser le jus de citron comme ceci avec le beurre et le zeste de citron. Ensuite, on va prendre notre grand bol et on va déverser notre préparation de beurre, citron et jus de citron comme ceci dans le grand bol. Avec notre Maryse, on va nettoyer le bol moyen pour bien faire tomber toute la sauce dans le grand bol. Puis avec notre batteur, on va battre toute la préparation à vitesse moyenne. Après avoir battu le tout une première fois, on va prendre notre sachet de levure chimique et le vider comme ceci dans la préparation, puis rebattre le tout pendant 1 à 2 minutes. Après avoir bien battu notre préparation, une fois qu'on a une pâte bien homogène, on va mettre notre four à préchauffer à 180 degrés, puis on va bien se laver les mains afin de beurrer notre moule. Puis on va beurrer notre moule comme ceci avec notre morceau de beurre. Notre moule est bien beurré comme cela. On va prendre aussi notre Maryse, puis on va prendre notre grand bol et laisser tomber la pâte comme ceci dans le milieu de notre moule. Avec notre Maryse, on aide la pâte à tomber dans le moule. Il ne reste plus qu'à passer notre cake au four à 180 degrés durant 40 minutes. Après 40 minutes de cuisson, on sort notre moule avec notre cake du four. Avec notre couteau, on va planter comme cela le milieu du cake. Si notre couteau ressort propre, c'est-à-dire sans pâte, c'est qu'il est cuit. Donc, on va le laisser refroidir un quart d'heure, 20 minutes, avant de le démouler.
Une fois que notre cake a refroidi, on prend notre moule à cake, on secoue un petit peu notre cake, on place notre main comme cela au centre, puis on retourne le cake et on enlève le moule. On prend notre plat de service et on le place comme ceci. Et voilà, notre cake au citron est prêt. Si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit j'aime sur cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sur ce, bon appétit et à bientôt sur Recette Pavette.